Bonsoir, alors ce soir je vous propose un sauté de porc à l'ananas et au curry. Donc c'est très simple, encore une fois. Il vous suffit d'acheter 500 g de porc dans les chines. Donc ça se vend souvent déjà coupé en morceaux prêt pour faire des sautés de porc. Il vous faudra également un petit peu de curry, donc une grosse cuillère à café. Deux oignons, facultatif, mais un demi poivron rouge, c'est pas mal. Un morceau de gingembre, on n'en utilisera qu'une partie. Une boîte de conserve d'ananas, ou un ananas frais si vous préférez. Deux petits oignons, sel, poivre, un peu d'ail et de l'huile d'olive. Voilà. Et moi, je vous proposerai en fait de préparer à côté soit un riz basmati, soit de la semoule de couscous qui sera parfait avec ce sauté de porc. Alors tout de suite, première étape, on fait chauffer de l'huile en fait dans la sauteuse. Donc l'équivalent de 2 cuillères à soupe à peu près, dans laquelle on va faire revenir les morceaux de viande. Voilà, donc en fait, donc voilà, la viande, comme vous voyez, a commencé à griller un petit peu sur tous les côtés. Donc, en attendant, deuxième étape, on a épluché en fait donc les oignons. Donc, deux petits oignons ou un gros oignon qu'on hache assez finement. J'ai préparé également le petit morceau de gingembre. Voilà. Donc, on va ajouter dans un deuxième temps l'oignon haché à notre viande. Voilà, on remue bien. Voilà. Ensuite, on va rajouter l'ail. Alors, encore une fois, je triche un petit peu, c'est de l'ail déshydraté, hein, en poudre. Voilà, donc le tout bien remué à chaque fois, entre chaque étape. Ensuite, on rajoute deux gingembre. Donc ça, j'en ai fait beaucoup. Je vais en mettre uniquement la moitié, donc un tout petit dé. Ça va donner une petite note citronnée, acidulée à votre poulet. Et ensuite, donc l'ananas. Donc ce que l'on va préparer. Donc pas la peine de garder le jus. Simplement de récupérer les tranches. Voilà. Et donc ça, on va tout utiliser. Donc c'est une boîte de 340 grammes. Donc on recoupe en fait les tranches hein, en petits morceaux. Ça passe des cubes en fait. Donc je prépare également le poivron rouge. Donc pareil, on fait des tout petits cubes. Hein. Hop, voilà. Je ne vais pas en faire beaucoup, je vais faire un quart de poivron rouge parce qu'il était assez gros. C'est vraiment juste pour donner un peu de couleur et de croquant à la recette. Donc, je rajoute le curry. Si vous avez du cumin et que vous aimez bien le goût du cumin, vous pouvez également en rajouter. Voilà. Je rajoute le poivron rouge. Donc les petits dés de poivron rouge. Donc là, je suis à feu doux. Hein. On a un petit peu baissé le feu. Ok. On rajoute maintenant l'ananas. Voilà. Hop. Voilà.
Et ensuite, on va couvrir entièrement d'eau. Rajoutez un petit cube, un petit bouillon cube si vous en avez, un petit pot de volaille. Et on va laisser mijoter à feu très doux pendant 40-45 minutes. Ce qui vous laissera largement le temps de préparer un petit riz basmati ou votre semoule. Alors moi je rajoute un petit bouillon cube. Voilà, ça donnera encore plus de saveur. Et de l'eau. Donc vous couvrez bien. Parce que ça va s'évaporer. Donc voilà. La viande est bien couverte. On recouvre en laissant un petit peu ouvert. Et voilà, donc 40-45 minutes de cuisson. Et puis on verra le résultat tout à l'heure. Donc ça fait 45 minutes que notre sauté de porc mijote. En attendant, je suis en train de préparer donc l'assiette. Donc j'ai pris une forme carrée en fait, où je mets la semoule. Ça fera un fond de semoule carré dans une assiette carrée, ça peut faire sympa. Sinon, il y a plein de systèmes, hein, avec un petit bol, vous pouvez faire des dômes de semoule, par exemple. Voilà, donc je tasse bien, parce que je vais poser en fait une bonne cuillerée de sauté de porc dessus. Voilà, alors en ayant bien tassé, l'avantage c'est que quand je soulève, théoriquement ma forme va rester. Voilà. Ok, alors test, moment de vérité. Ah, et ben ouais, ok, c'est à peu près bon. Alors qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Allons voir tout de suite. Donc ça fait 45 minutes que ça cuit. Alors regardez. Voilà, donc comme je vous disais, en fait le jus s'est évaporé, donc on a quelque chose de plus épais maintenant, plus consistant. Donc c'est parfait. Assaisonnez bien, on peut assaisonner au dernier moment en fait. Donc j'apporte l'assiette à côté. Ensuite, on va prendre une bonne de notre sauté. Donc dans un premier temps on va enlever le jus, voilà, qu'on dépose au centre de l'assiette sans se faire mal, c'est très chaud. Voilà, par exemple, voilà. Et voilà, ensuite on peut rajouter un peu de jus. Bon, l'esprit est là. Vous pouvez décorer avec du persil, du coriandre, c'est très bien. Et bien entendu, avant de servir, on sale, on poivre, parce qu'on n'a pas encore assaisonné. Bon, c'est selon votre goût. Hein. Vous pouvez assaisonner directement dans le plat. Et voilà, et bien pour ma part c'est terminé, donc je vous présente le petit plat sauté de porc à l'ananas et au gingembre sur lit de semoule. Bien, je vous souhaite un très bon appétit, à bientôt.